Très bonne semaine tout le monde, bonsoir et bienvenue dans Téléjournal Lance ou Télévision Nationale d'Haïti. Mais grand titre pour Assoya. Président République Lan, Jovenel Moïse, pose premier wash construction yon centre germoplasme à propagation végétale dans le département Nord, samedi 3 février. Centre sa kap gen 4,5 millions de pieds bois chaque année. C'est la cinquième structure comme ça qui mettait sous pied dans le pays. Chef l'État Terrain Li Faux Liberté, toujours samedi 3 février, en côté li remettre yon lot équipement pour démarrer caravane changement dans le département nord-est. Équipement sa yo pral servi 13 communes pour faire travail, curage, drainage et construction route. Yon centre coordination recherche et sauvetage, inauguré jeudi à l'Office national aviation civile, OFNAC, sous route aéroport. Centre ça a permis de localiser yon avion en détresse et appareil qui accidenté. Dans l'occasion 32e sortie lundi de la presse, ministère communication recevoir lundi 5 février 2018 l'an, secrétaire d'État sécurité publique l'an, Léon Ronsard Saint-Cyr, qui parlait sous disposition qui prend pour faciliter bon déroulement carnaval national. Et puis, ingénieur Ronald Semelfort mourit vendredi 2 février 2018 là, dans Port-au-Prince. Pour un pile d'un collaborateur défunt, c'est une grosse perte pour le pays d'Haïti. Dans l'actualité, en l'autre bord de l'eau, il y a une collision qui fait entre deux trains. La cause, deux personnes perdu la vie et puis il y a une centaine d'autres blessés dans Caroline du Sud dans la nuit de samedi 3 pour l'ouvrir dimanche 4 février 2018. Là. Amis téléspectateurs, n'a pas invité nous rester branchés si titre ça y a un pile d'autres informations qui a fait essentiel journal pour Assoya. Jeudi, c'est lundi 5 février 2018. Yon fois encore, on a salué et puis remercié tout le monde qui branche Téléjournal Lan sous Télévision Nationale d'Haïti. Dans la présentation, c'est Linela qui est ensemble avec nous. Le pays a fait une grosse perte. Je nous ai dit dans un grand titre, Ronald Semelfort, en pile monde qu'on relève météo, mourit vendredi 2 février 2018 dans Port-au-Prince. N'a pas invité nous suivre un portrait de lit avec collaborateurs nous Ansi Mars et puis Hervé Pierre. Ronald Semelfort fait dans la commune Saint-Louis du Nord dans le département Nord-Ouest. Après classe primaire li dans Saint-Louis, il rentre à Port-au-Prince pour venir continuer classe dans le collège Roger Anglade avec Saint-Étienne secondaire. Une fois il fini à classe philo, il parti pour ville Montréal côté il aller dans l'université pour aller étudier génie et physique. Dans l'année 1983 et 1984, il retourne dans le pays d'Haïti. Et depuis le ça, il consacre la ville à partager connaissances et puis servir le pays. Il rentre au Centre national de météorologie, il était comme météorologue. Il était entré. Par la suite, lors du météorologue, donc, il fait prévision. Donc, plus monde connaît le professeur Ronald, c'est disons après la mort du capitaine Renan. Donc, il était investi à fond dans le secrétariat permanent de gestion risque et désastre. Donc, surtout particulièrement lorsque il y a une perturbation cyclonique qui vient pour passer. Donc, c'est lui-même que même le centre était actif, censé bon côté lui, pour fournir l'information. Mais c'est lui-même qui était toujours dans le point de pression. C'est lui-même qui toujours fait le point avec ensemble DPC, avec structure secrétariat permanent, hein, pour permettre que l'information aille plus loin. Donc, dans ce sens, ça, je pense que c'est un travail colossal qui était fait pour vulgariser, valoriser météo en Haïti, bien que nous connaissons, ce n'est pas un sens que tout le monde connaît, mais quand même, lorsque il y a catastrophe, il y a situation difficile, c'est toujours ingénieur Ronald que ou toujours ouais devant, c'est lui-même qui était toujours devant la scène dans le sens ça pour permettre que l'information météorologique en sens ça aller plus loin. Professeur dans la faculté sciences, dans la faculté agronomie et médecine vétérinaire, Captain Jean-Pierre Moun Remerelil, te ba relation moun ak moun an pile importance dans la ville, ça qui te rend ni populaire dans tout espace li fréquenté. Moun tout moun, sensible, toujours paré pour aider. C'est mot qui vini plus souvent dans témoignage yo. Bon, on a son nèg qui très sérieux, son nèg qui respecte moun, on nèg qui très jovial, qui aime travailler, qui toujours disponible pour la météo.
à n'importe moment, qui peut le bon problème, ou le Ronald, ou trouver Ronald, et la porter à Paul, banon. Aucun reproche, mais aucun reproche, nous travaillons contre Ronald. Tu as une bonne habitude avec tout employé. Nous sommes capables de dire que moi-même, côté que je suis plus retrouvé, c'est sa sensibilité humaine. Donc, c'est un monde qui est très sensible sur le plan humain. Donc, parce que je me rappelle bien, lorsque il y a deux employés qui étaient censés mourir, c'est moi-même même qui t'ai appris les nouvelles là, et il n'y a vraiment pas de kakembeli. C'est pour te dire, bon, voilà, Marcelin, on n'est pas supposé apprendre mes nouvelles là comme ça, et puis ça t'est vraiment affecté. Donc, ça veut dire que c'est un monde qui vraiment gagne un côté humain. Ronald C. Melfort, c'est papa des petits garçons. C'est dans l'année 1953 qu'il fait. Après, un malaise la Kali. Capitaine mourit sur route pour aller à l'hôpital, jour vendredi 2 février 2018, là, avec 64 l'année sous tête. Li. Merci, Anne-Simard Sakervé Pierre, pour le reportage. Ça. Une fois encore, nous avons souhaité condoléances, nous avons sympathie, nous, par parents, familles, amis, collaborateurs, avec tout le monde, l'amour si là affecté. N'a pas poursuivre avec journal là pour nous faire connaître Jean Tédil dans titre tout président République là Jovenel Moïse poser premier pierre pour construction yon centre germe place avec propagation végétale dans département nord paysa samedi qui était 3 février 2018 là. Centre a cap gain 4.5 millions de pieds bois chaque année, c'est 5e structure comme ça qui mettait sous pied en dans paysa. Objectif là, c'est renforcer politique environnement l'État pour permettre pays à répondre plus bien face à une série catastrophes naturelles. Et puis pour paysans yo qui a rentré l'argent grâce à rendement fouille pied bois ça yo pour le produit. N'a invité nous suivre un reportage avec Sabine Jean-Étienne et puis Jean-Naël Duverny. Après Sud, Nip, Grandance et Nord-Ouest. Département Nord, c'est 5e côté qui peut recevoir 100 germoplasmes avec propagation végétale. Ça, il y a une capacité 4,5 millions de pieds bois chaque année. Il y a nécessité, d'après président Jovenel Moïse, pour citoyens accompagner l'État dans la politique environnementale la pas appliquée dans le pays. Faut inspection faite sur tout système de drainage dans la ville au Cap. Mais mon Cap, frère, chame, cap, gardem, cap, tant de blagues. Faut ne pas oublier, ravine ça moi-même. Le cyclone, non. M'da monté, m'da le fonds d'inspection, m'da pied, m'de la campagne. Un ravine qui t'a supposé mesurer 10 mètres, et puis qui a une route sous côté, l'on a besoin de curel pour machine qui a passé. Ravine n'a pas moins qu'on mette. La gel était 0,80. C'était 80 cm, ça veut dire 0,8 mètres. Est-ce que, je dis, nous avons dit, n'a pas tant de la pluie, qui a fini pour tomber encore. C'est là ça pour nous nommer l'homme. Oui, au cabinet de vos sinistres. Faut nous tous ensemble, nous mettre tête nous ensemble, peuple. Autorité. Moun qui compte lire et écrit dans la ville. Ingénieurs civils, architectes, urbanistes. Suspend critiquer. Vin mettre main à la patte politiciens. Vini, fmando rencontre dans le nord avec directeur départemental de travaux publics. Directeur départemental de l'environnement. Mande rencontre avec délégué avec magistrat. Pour nous voir comment pour nous faire ville historique ça nous gagne au cabahitien chéri ville nous vraiment pile là comment pour nous retirer dans situation que lié c'est pas moi pour compte comme président qui a retiré sans ça avec nous toutes nous quoi nous tendez nous pas venir pour nous craser briser caravane dans vienne pour construire caravane dans vienne pour quitter l'autre département pour président Jovenel Moïse était tout profiter tendez doléances population hein? Et puis annoncer une série de travail administration l'a pral faire dans le département Nord. Parmi eux, accompagnement pour agriculteurs et puis projet pour bail paysans crédit pour le planter et puis prendre soin pied bois. Bon l'autre programme que n'a travaillé avec partenaire international tout. Qui programme lié? Si pays a pral 14 pépinières, chaque a pral gagne capacité 4,5 millions pied bois. Si moun l'école a obligation planter pied bois et paysans crété dans bassin versant dans mon yo. Nous allons monter un programme avec 100 000 paysans pour nous payer les paysans yo, pour nous planter. Ça veut dire nous payons, nous montons un programme pendant 4 ans, nous payons pour suivre pied bois, pour pied bois grandir, mais paysans, yo, nous allons nous montons un programme avec ab fruitier pour nous. Ça veut dire pour planter pied bois, qui a vu une fruit, la bapin, la véritable mango, qui n'est pas gagné, qui a vendu.
Là qu'on y a pied bois, rien 4 ans le vin gros, nous suspend BO. Qu'on y a pied bois tout pour ces pied bois lié, pied bois qu'on y a pas le BO. Ce programme ça nous vin. Contrairement à ça qui te prévoit pour mettre sous pied 10 centièmes de place à propagation végétale dans tout le pays, chef l'État a décidé de mettre 14 structures comme ça dans l'idée pour reboisement Haïti à tourner une réalité. Nous profiterons ensemble avec le président Jovenel Moïse qui te rend libre de liberté dans la même journée, samedi 3 février, pour remettre un lot d'équipement pour démarrer plutôt caravane changement dans le département nord-est. L'équipement sera servi 13 communes dans le département nord-est pour faire travail curage, drainage à construction route. On suit l'autre reportage. Moun sorti tout partout dans le département nord-est là pour venir tande président Jovenel Moïse et puis pour garder flotte équipement yo qui rive dans le département. Chef l'État a mis accent sur interconnexion commune yo, électricité, assainissement et renforcement douane pour ne citer ça seulement. C'est quoi le département qu'on y a? Tout le monde est élu sur le parti politique. Par contre, même des élus du PSP là. Roger Blas, même de l'amour, c'est la paix. Et député, Elias Petit Blas, des élus du Petit Blasali. Mais je dis à tout le monde, pas de diagonale, il y a le changement. Changement. Et là, on va retirer Blasali. On va retirer Haïti dans sa Haïti. Haïti, je dis. Pour retirer dans sa Haïti. Faut tout le monde ensemble, tout est en partie, famille Lavala, je fais petit dessin, ou PSPK, ou Fusion, quel que soit parti politique ou ce plan d'aujourd'hui à Menu. Faut retirer la salle, c'est samedi, et c'est lui ma paix pendant pouvoir nous voir, qui était 4 ans, c'est samedi, nous mettons tout le monde ensemble. Nous mettons tout le monde ensemble pour nous retirer le pays de la situation sous-développement, situation de la misère que le peuple s'en connaît. Toutes les communes vont communiquer là-bas. Nous avons besoin de vous dire à la tête. Vous avez dit, vous avez la tête. Ça veut dire 13 communes, département nord-est là, avant de pouvoir vous quitter. C'est pour toutes les communes qui vous avez Vous connectez, vous êtes là. Alors, tout le monde va aller bientôt, on dit bon. Même Jean-Claude département qui recevra matériel déjà, caravane changement pourra le démarrer sans perdre de temps dans nord-est pays. Jean-président républicain Jovenel Moïse t'a annoncé ça. Des temps pour arriver 7 février 2018, tous 10 départements pays a fin recevoir l'eau équipement. Yo. Toujours dans ce sujet ça, magistrat Max Opinchina Kwe arrivé caravane land en commune Grand Grave a aidé à résoudre divers problèmes zone non a fait face. Il prend comme exemple route à rivière qui connait lagué en pile famille non problème. Il y a un extrait. Nous même déjà dans caravane changement par rapport avec discours président PIA qui clairement dit caravane changement à partir 7 février là dans tout pays et là dans département l'Ouest. Et en particulier, normalement, comme dans le département de l'Ouest, nous-mêmes dans l'Ouest, nous déjà préparé nous. Un premier travail, nous essayons d'essayer de rencontrer tout acteur pour nous garder ensemble avec eux qui ça nous fait. Et en plus, nous essayons de préparer un petit document comme cahier de charge qui permet au moins les caravanes de venir pour que les caravanes bien atterri. En plus, nous essayons de regrouper tout acteur autour, par exemple, magistrat, Kazek, ASEC, député, délégué ville, pour que ensemble nous fassions travail. Et conjoint qui permettent que les caravanes pour nous bien coordonner les questions, pour nous bien canaliser les caravanes. Parce que pas oublier, il est clairement défini que les caravanes sont stratégie. Le président bien dit, son stratégie, ça veut dire automatiquement plus bien préparé, mais c'est automatiquement plus bien recevoir les caravanes et avoir plus de progrès qu'à faire dans la commune. L'on entre dans la ville, on va avoir un pile de travail. Sous question infrastructure, surtout avec le ministère de la République, il y a des travaux de réhabilitation pour faire au niveau ville là. Non seulement nous avons rue du Port, nous avons rue Saint-François, nous avons rue Bois-Antonin, mais ça c'est des travaux qui méritent pour réhabiliter. Et une série de rues, côté que nous avons déjà un caniveau déjà, mais les caravanes absolument mettre bail. Mais dans ce secteur, tout, il y a des travaux qui vous faites. Dans le niveau rivière avec environnement, nous déjà discuté déjà. Sous la question rivière, grand pile rivière, en décombinant en moyenne 5 qui méritent normalement pour vous faire curage. Il y a tout ce refoufilage, il y a un capement de gabionnage, mais tout ça, c'est des bagages qui discutent. Mais au niveau section communale, il y a des percées pour faire. Parce que nous connaissons que pour relier section, nous jugeons que l'intéressant intéressant, ben, avec caravane, on a fait section, une section, canon, section, allons l'autre section.
Nous avons enchaîné ensemble avec magistrat commune Cornillon, Jean Balaguel Berthaud, qui dit qu'il a déjà mis un comité sous pied pour accueillir l'arrivée caravane dans la commune. Il parle tout de un cahier des charges qui pourra rejoindre l'autorité pour connaître qui côté il doit intervenir. On suit. Nous prêts, nous fin prêts, nous attendons la caravane dans des pieds fermes. Et nous déjà soumettre le cahier des charges là avec le gouvernement donc pour aller dans quelle mesure pour implémenter donc ces plans et programmes de en fait de développement que nous avons préparé donc ces programmes de campagne président là dans de même donc nous tout élus nous chita et de AZEC arrivé dans le niveau de députation nous chita ensemble et nous mettons nous préparer le cahier des charges ça justement pour les caravanes avec Cornillon pour pas l'improviser mais pour faire exactement ça nous-mêmes nous proposer pour faire dans l'espace là. C'est pour nous quelques travail pour caravane en fait à faire dans la commune Grandbois. Premier travail là on essaie des enclavements et route là c'est route Cornillon donc c'est route Cornillon en piteux état, son route qui est vraiment extrêmement difficile, environ 54 km de route jusqu'à la frontière. Donc en gros c'est et puis gros travail là c'est route Cornillon, après ça nous gagner et des routes et pour nous capable lier section communale yo. Donc et pour nous lier avec l'autre commune voisine ta commune Balel et Savanette pour nous lier avec commune ça donc c'est des travaux ça de grande envergure des grands pile l'autre travail encore donc nous prévoit dans cahier des charges là mais en quelque sorte donc c'est travail ça qui puis prend nous à cœur donc c'est route Cornillon principalement donc sortie Thomas pour aller vers la frontière et sortie Mirbalet pour aller encore et rencontrer dans entrer aller du côté de Courette et sorti vraiment des Savanettes pour vous rencontrer nous encore dans le même espace. Donc c'est ça qui prend nous à cœur, c'est trois principes et pour axa on a besoin pour nous capable travailler sur juste pour capable vraiment libérer commune qui est enclavée depuis et puis depuis des années. Donc réaliser votre Cornillon donc c'est un grand dans l'autre gros débouché qui va sur la République dominicaine. Donc vous pas besoin contourner aller dans plateau central dans même département le ça à travers Gantier Malpasse. Il y a des problèmes, mais on est capable de passer par le côté de Cognon, certainement on est capable de vivre la République dominicaine. Cognon, nous prenons le santé pour nous faire connaître une équipe Télévision nationale d'Haïti qui t'a fait une visite samedi 3 février dans le service dialyse l'hôpital Ofatma dans la ville Okaï pour garder comment ce service-là a fonctionné. Le service-là a fonctionné 24 sur 24, recevoir malades qui sautent. Tout côté dans Grand Sud là, d'après Rachel Widza Moïse, une infirmière qui travaille dans le service dialyse là. N'a invité nous suivre qui Jean Saillé dans un reportage Marie-Jolouis et André Chéri t'est préparé pour. Service en dialyse à l'hôpital Fatma Okaï a pas suspendre recevoir malades qui sorti tout côté dans Grand Sud en pays. Pendant week-end là, une équipe TNH t'a visité centre là. Pour voir comment service là a marché. Eric Fernand qui sorti Jérémy et qui vient dialyser au Kay. Fait qu'on est, c'est grâce à accent ça qui permet de vivre jeudi. Les marches faites, nous venons ici au Kay, qui a une façon de faciliter. Mais c'est avec nous-mêmes tout que nous disons merci et je continue de dire merci parce que pour ça nous fait et ça nous fait. Une infirmière qui travaille dans le service sans dialyse au Fatma au Kay. Expliquer depuis le centre ça ouvria l'hôpital là vient plus fréquenté pour service temps toute bagarre a marché très bien là, quand il s'agit de administration de matériel toute machine yo en forme le malade yo vini nous recevoir yo et puis nous gain médecin tout qui ouais yo le pour mettre et cathéter pour yo pour dialyse en fait donc nous jeune tout bagaille ça donc pour le moment ça marche très bien malade jeune solution gain en pile tout qui est témoigné de ça si c'est pas dialyse qui était au caï donc c'est pas presque tout à monter payer machine louer caï tout ça donc pour le moment tout bagaille marche très bien santé dialyse au caï là recevoir 2 à 4 monnaie chaque jour excepté dimanche si toutefois pas gain urgence. Merci Marie-Jo et André. Nous t'ai parlé de ça dans Grand Titiotou, directeur général Office national aviation civile dans OFNAC, Olivier Jean, mettait campé centre coordination recherche et sauvetage dans locale institution SILA qui chita colle sur route aéroport.
Cérémonie inauguration Saint-Lan réalisée lundi 5 février 2018 là. N'a invité nous suivre un reportage avec John Herbie Casseus et puis Rémi Godjit qui t'a fait déplacement. Centre coordination recherche et sauvetage là trouvé li en dedans Office national aviation civile. Centre ça pral aider l'état haïtien localiser signal appareil tant coup avion ak bateau qui en détresse à partir signal satellite. Selon directeur général institution Olivier Jean, centre coordination recherche et sauvetage là pour permettre de coordonner toute opération recherche et sauvetage dans l'espace aérien et maritime région. Ça permet aussi jamais qu'un avion qui a eu urgence ou un problème et qu'il a eu un autre qui a eu un accident, il permet de nous capables d'identifier exactement et qui bon avion et fait que avion engin a tombé que ce soit dans la mer que ce soit sur la terre donc bon, tout élément ça critique on va commencer à faire aux recherches il faut capable connait exactement côté engin à travers satellite et puis des équipements qui à l'intérieur de l'avion la permet de déterminer exactement côté avion et de là pour un centre de coordination qui ça lui fait il pour le contacter et monde qui est nécessaire que ce soit dans côte haïtienne que ce soit protection civile pour être capable de déployer efforts pour être capable de joindre signal pour être capable de faire le nécessaire pour sauver le plus de vies possible. Installation centre coordination recherche et sauvetage ça dans OFDAC rentre dans cadre démarche l'état haïtien à mener pour répondre à toute exigence organisation aviation civile internationale et organisation maritime internationale selon Olivier Jean. Et puis, nous avons qu'on a un premier secrétaire Sénat, Dieupi Chérubin, confirmé. Résolution Assemblée sénateur est adoptée jeudi 1er février pour demander Cour supérieure des comptes à contentieux administratif enquêté sous dossier dépenses l'agent pétro-caribéen POCO transféré by exécutif. Là. Sénateur Sud-Est lundi, il y a quelques corrections qu'a fait en vent pour bureau acheminer document si là by exécutif là. Là ban nous plus détails dans micro Fedner confident avec Moïse Wilbridge. Les résolutions fin voté en assemblée, il y a travail pour le faire là-dedans pour arriver sortir. Donc il pas dépendre de la présidence et du secrétariat pour que ensemble joigne combinaison ça. Parce qu'on a une résolution qui a sorti, il faut une signature du président et signature secrétaire. Donc, il y a encore là, il faut que sorti. Il n'y a pas tout petit détail, malgré quelquefois, au cas passé ton en séance, on a discuté son simple. Mais quelquefois, il y a des choses simples, c'est à profil pour au prendre, et puis des petites fausses deux frappes, etc. Il faut le retaper, et puis il y a un peu de bagage qui corrige dans la résolution en même en séance. Est-ce que vous avez une hésitation sur votre bureau? Je ne sais pas hésitation sur votre bureau. Parce que quand l'Assemblée a décidé, le bureau fait ce qu'a décidé l'Assemblée. Combien de temps le doit prendre pour l'agent exécutif là? C'est pas songer que ça règlement intérieur a dit sur ça, mais songez bien que ça a été fait vendredi et jeudi. Ça a été fait jeudi. C'est jeudi. Ouais, jeudi soir et jeudi en vendredi tout par là-dedans. Donc jeudi en c'est lundi. Donc le bureau va tout de suite décider. Le président est absent pour le moment. Il est tadoué là sous peu. Et ensemble, nous parlons si c'est après-midi, si c'est soir. Est-ce que nous avons un ensemble de critiques qui fait à la résolution ça? Oui, nous avons un pile critique qui fait par rapport à la résolution. Ça a préoccupé nous? Ça a préoccupé nous, parce que quand on est en train de faire, il y a toujours un lieu qu'on a mieux faire. Donc nous pensons que ce que je peux dire tout simplement, par rapport à toute critique qui fait, je m'ai dit bonne note est prise. Mais si je vais ajouter un petit mot, puisque nous venons de critiquer, je m'ai dit tout pour tout directeur d'opinion ou bien tout le monde qui attendait, l'important, surtout l'homme en Haïti, et l'homme en affaire avec des politiciens, ou de une capacité, surtout pour les jeunes qui ont réfléchi, qui attendaient, une capacité pour déceler un niveau de démagogie qui traversait dans la déclaration. Parce que le plus souvent, ils disent un poison efficace, les ou bail poison, dans cola, dans coca, pas une personne qui a pris un bail carmé. Et puis là, on prend l'iabouel pour continuer à boire malgré son poison. Je m'explique. Ouais, là, nous pas comprendre, m'avait expliqué. Moi, je voulais dire que le wabai poison, bail en mi-temps, bon bagay. Ça veut dire, les gens bagay qui pas fait bien, ou bien qui t'es qu'à mieux fait, ok?
Et qu'on y a, c'est pour nous garder bien pour nous. Est-ce que qui côté le sorti, qui côté lié? Est-ce que ça cap dit yo, yo gagne comme des cadres, une sorte de justesse là-dedans yo? Ou bien qui niveau politicien vient exploiter ça qui passe là? Parce que est-ce que nous connaissons, si nous avons clarifié le bon nous, malgré le fait que dit nous déjà, effectivement, il y avait lieu de mieux faire. Ok? Donc, mais est-ce que nous connaissons tout? Séance qui t'a voté, nous tous là. Nous t'avons aimé nous-mêmes tout, comme directeur, comme journaliste, et nous qui avons fait nouvelle. Nous t'a dit nous tout. Les séances là, tu as voté, et que tout le monde allait, qui ça que tu as discuté dans qui phase tu es. Et puis, si nous faisons un résumé de séance là, qui problème. Rapport là, il était posé pour nous connaître légalement, constitutionnellement, comment acheminer, qui est-ce qui a recevoir le qui sa favel, pour que nous-mêmes tout nous déterminer, le monde yon quitte, le yon prend yon ti vérité, et puis yon enveloppe le non paquet de bagay qui va vérité, pour nous découvrir, pour nous ouais. N'a pris une pause, n'a tourné tout de suite. Merci parce que nous avons toujours été branchés Journal Lance ou Télévision Nationale d'Haïti. Information a continué Koussio ensemble avec organisation non gouvernementale Vivario Haïti qui fait police communautaire cadeau yon lo matériel bureau tant qu'ordinateur, chaise, imprimante et latrier. Coordonnateur national police communautaire, commissaire principal Jean-Ismagne Auguste, expliquait matériel silayo pour le permettre de renforcer unité sila. On suivit un reportage Sainte-Croix, Paki, avec l'Ouard, Jean-Jacques, t'es préparé pour nous. Dans matériel silayo, organisation non gouvernementale Vivario Haïti fait bureau administratif police communautaire pour faciliter policiers qui fait partie unité ça organiser plus séances formation. Et puis travail avec jeunes dans le cadre du programme réduction violence communautaire. D'après le coordonnateur national de la police communautaire, commissaire principal Jean-Ismagne Auguste. Donc, dans le cadre d'un partenariat de la police nationale d'Haïti, établi et développé avec l'ensemble d'institutions bienveillantes, mais à la coordination nationale de la police communautaire, de recevoir une donation ce matin. Qui consistait en matériel et fourniture de bureaux et matériel également pour aller permettre que nous organiser des séances de formation au bénéfice des policiers, au bénéfice des leaders communautaires, au bénéfice de certains jeunes. Coordonnateur programme Vivario Haïti, Pedro Broum, expliquait matériel saillot, tant qu'ordinateur, imprimante, chaise, classeur, administration, police communautaire bénéficiaire, c'est dans l'idée pour renforcer la police nationale. Donc, les donations qui nous gagnent pour la police, et qui sont des ordinateurs, des imprimantes et des matériels de bureau, qui permettent la coordination nationale de police communautaire marcher plus bien et aider cet effort, consolider cet effort d'élargissement de la police communautaire en Haïti. Vivario a travaillé en Haïti dans plusieurs domaines différents, mais il y a un domaine qui nous a dit que c'est un domaine qui est vraiment important, c'est comme un axe d'action, c'est la sécurité publique, c'est la réduction de la violence, la réinsertion, le désarmement, etc. Alors on travaille déjà avec la police dans plusieurs activités différentes, dans le niveau SAIO, depuis nous là. Et par rapport à cette expérience, et par rapport à la relation ça qui est longue, parfois, les Vivario gagnent pour chercher des fonds. Okay? Nous toujours faisons ça en dialogue avec la police. Vivario Haïti a travaillé avec la police communautaire depuis l'année 2012 dans le cadre d'un projet pour combattre la violence dans le quartier populaire. Merci Paki avec l'Aurore. Et puis, on a profité de sous lancer ça pour nous faire qu'on a mairie Port-au-Prince, dans tête collée avec Heart to Heart, inauguré une clinique médicale dans marché La Coupe lundi 5 février. Clinique Silla pral permettre marchand cap vann dans marché La Coupe joindre service dans question santé. On suit un extrait dans micro Rodney d'Orléans avec Hervé Pierre. Clinique là, li vini là, si nous gon si gon on moun bon moi actuellement avant elle m'a dit ça. Gen yon dame avant elle qui gon problème qui tombé dehors. Li pa gen chance rive l'hôpital. Si le clinique était temps là, il était prêt premier soin. Inauguration clinique médicale ça pral faciliter 10 marchand dans marché La Coupe ak moun ki nan environnement marché ça joine soin toute qualité sans ou pa payer yon goud.
Réalisation projet ça dans marché a, c'est un commencement d'après magistrat Pétionville Dominique Saint-Roch qui plus loin annoncé avant longtemps dit n'est pas abgain pour installer dans marché ça un bloc sanitaire. Par rapport à volume machin qui a fonctionné au niveau marché Cocoyer et qui était gain problème médical et j'en ai toujours expliqué lui. Pratiquement, c'est deux mondes qui viennent là, qui ont une tension maintenant, mais et qui essayent de contrôler la tension. Et le plus souvent, c'est des charlatans, des mondes qui ne pas répondre à la condition, qui ne connaissent pas vraiment. Donc, nous devons avoir une nécessité pour que nous montions équipe et ouvrir la clinique là, pour nous permettre que les machins soient capables de joindre soins, et ceci gratis. Et gens comme je dis là, ce n'est pas seulement la clinique là, qui soins, mais par rapport à la condition d'hygiène que les produits ont vendu, par rapport à la condition d'hygiène que nous avons fonctionné tout. Donc ça vient faire que très prochainement, Dinepa va venir construire ici pour nous un bloc sanitaire et nous même tout notre travail au niveau mairie pour nous mettre en équipe là en service d'hygiène. La question portée la soirée, il y a des gens qui ont nécessité. Organisation Heart to Heart International déjà travaille divers côtés dans le pays. Le directeur national ONG ça, Rodrigue Christophe, fait connaître des possibilités qu'a étudié pour permettre projet ça arriver joindre marchands qui dans divers communes dans zone métropolitaine là. Nous censé commencer avec projet pilote nous dans marché de la coupe et résultat impact là pral di nous dans 1 an dans 2 ans pour nous dire comment nous capable prendre zone métropolitaine là pour nous pas arrêter seulement Pétionville pour nous aller Tabac pour nous aller Delma pour nous aller Cité Soleil aller Cafou aller Croix des Bouquets aller en pile côté que mesdames yo besoin soins de santé. Notre objectif pour aider marchands yo faire prévention. Heart to Heart International pral mette campé yon équipe qui gen la dan plusieurs agents qui pral sensibiliser marchand yo sou façon yo dwe gérer environnement côté ap vann nan. Voilà, je nous souhaite un reportage, c'est mairie Pétionville avec Heart to Heart qui inauguré clinique médicale Sila nan marché la coupe. La information n'a porté pour nous dans occasion 32e sortie lundi de la presse ministère communication recevoir lundi 5 février 2018 là secrétaire d'État sécurité publique là Léon Ronsard Saint-Cyr qui parlait sous disposition qui prend pour faciliter bon déroulement carnaval national là. Secrétaire d'État te gen avec lui ministre intérêt à collectivité territoriale Max Rudolphe Saint-Albin délégué départemental l'Ouest lan ak directeur service circulation. Dans même occasion, ministre santé publique ak population docteur Marie Greta Roy Clément te profité présenter plan urgence intervention MSPP ak yon ensemble mezi prévention pendant période carnaval la. N'ap invité nous suivre yon compte rendu avec Rachel Saint-Fort et puis Henri Robert Chéri. C'est plusieurs instances dans l'État qui mobilisées à travers le Comité national urgence et secours pour porter réponse à la question urgence dans la période carnaval. Le comité ça qui gagne la donne, ministère santé publique et population, bureau première dame république là, ministère intérieur et collectivité territoriale, ministère justice et sécurité publique, secrétaire d'État sécurité publique, la police, mairie Port-au-Prince, Croix-Rouge et l'autre instance dans l'État. Viser réduire risque accident, transmission maladie, répondre à l'urgence et puis sensibiliser population sur comportement yo doit gagner pendant période carnaval là. Nous gagnons 13 postes de soins. Depuis dans stade Silvio Catol en gagnon rivé juste dans faculté de médecine et poste ça yo divisé en 3 catégories. Nous gagnons des postes simples qui simplement des ambulances qui évacuer moun. Nous gagnons des postes de premiers soins et d'urgence, ce sont des postes médicalisés. Côté là, que ce soit ambulance ou bien dans et l'autre côté, côté mounio capable de recevoir soins pour des cas mineurs. Et puis ensuite, yo renvoyé pour yo capable soit tourner la caillou ou bien continuer dans le carnaval là si yo senti yo bien. Maintenant, dernière catégorie de postes que nous gagnons, c'est ça yo relé postes médicaux avancés, ce sont les PMA. Et puis grand stand d'urgence, ça, puis grand PMA, la est coiffé par la première dame et la sous stand première dame là, à côté stand la présidence. Et là, il y a capable prendre en charge des cas majeurs. Abgain des équipes d'intervention spécialisées
qui certainement tout qui a pas intervenu dans fait secours là j'aime se dire nombre de brigadiers qui a déployé dans 4 3 jours grâce à yo c'est là pour nombre de 500 et brigadiers volontaires ça yo y a gain responsabilité pour yo gérer foule là accompagner carnavalier yo et certainement assister moun qui en danger. Dans l'occasion 32e conférence lundi la presse jeudi a secrétaire d'état sécurité publique là Léon Onsor Saint-Cyr, directeur départemental l'ouest la Berson Soljour et directeur service circulation annoncé un ensemble mesures sécurité pour permettre tout moun amuser ou sans qu'elle saute dans carnaval là. Port d'armes strictement interdit là parcours carnaval là. Cela dit que avec ministère de la justice n'a gain parquet à gros stand côté la permanence et la bon garde à vue dans stand ça et m'a rappelé que tout policier qui pas en service qui pas en uniforme pas gain droit pour des armes là parcours carnaval là tout policier qui non parcours carnaval là il y a gain un signe distinctif. Puis gars aux policiers qui pas travaillent dans l'ouest pour un uniforme ni pour venir jeune masse. Comme nous disait rigueur, inspection générale déjà prend toute disposition et il a prend sanction qui plus grave pour yo. Donc policiers qui avec sécurité VIP, c'est important pour que continue à accompagner même lorsque en uniforme, il a passé enregistré yo dans bureau qui a placé pour ça dans direction départementale là côté il a capable bah on signe distinctif. Nous avons un devoir pour nous inspecter tête camion qui mène un chat. Faut caoutchouc normal et faut chauffeur ça a une licence. Li. Si il y a appui, faut wiper capable de marcher et lumière faut allumer. Et en plus, m'a demandé responsable. Faut que c'est deux chauffeurs pour yo ta gain pour si yon pa ta conduit et puis pour l'autre chauffeur ka prend rapidement. Carnaval national là a démarré dimanche 11 pour bout mardi 13 février 2018 là. Carnaval là fini à 2h du matin pour deux premiers jours et puis 3h du matin troisième jour d'après secrétaire d'état sécurité publique là Léon Onsor Saint-Cyr. Ministre santé publique et population docteur Marie-Greta Wa Clément mande des citoyens yo pour protéger tête yo contrôler timoun yo pas bloquer route secou yo pendant période carnaval là pour faciliter bon déroulement activité yo. Merci Rachel ak Henri n'a continuer parler sou carnaval là pour nous faire connaître sénateur sud-est là qui c'est tout président Sénat République là sénateur Joseph Lambert déclaré les satisfaits pour façon 26e édition Carnaval Jacques Mellin déroulé. Sénateur Lambert qui soulignait quelques problèmes logistiques promettent pour faire Jeffon en tête collée à tout élu département pour permettre Carnaval Jacques Mellin rété Carnaval qui attirait et puis satisfait plus moun. L'itinéra micro Esaïe Aurelius avec Wilson Idoré. Chaque année puis plus, et bien nous faisons Carnaval Jacques Mellin là, et bien aller plus loin. Nous dit que quand même, nous avons en absence, ensemble de groupes, au prince. Mais cependant, nous avons des groupes dans Jacques Mel qui ont performé. Et ils ont performé suffisamment bien. Et ils ont été groupe Jacques Mel. Un fait de certain, c'est que pour moi-même, l'édition Carnaval, ça, l'irrité est demeuré en réussite. Alors, on dit différence entre l'édition antérieure avec l'édition année ça. La différence réside dans qui ça? Dans des groupes au point si qu'on vient performer. Très certainement, ça a drainé une masse de monde beaucoup plus importante. Deuxième bagarre là, contrairement à toute attente, nous avons pensé que chaque année, pour jouer un Carrefour qui a fait carnaval, pour jouer une Pétionville qui a fait carnaval, pour jouer une Delma qui a fait carnaval, pour jouer une Gonaïve qui a fait carnaval, pour jouer une Cap-Haïtien qui a fait carnaval, dans la journée carnaval national, Jacques Mel. Ça qui est certain, c'est que, ou toujours, en dépit de multiplicité
espace ou bien milieu ou bien zone pour des carnavals, il y a fait carnaval. Eh bien, Jacques Mel toujours full, Jacques Mel toujours plein. Et Jacques Mel offrit un spectacle hors de commun, un spectacle de qualité et qui n'a rien à envier avec de ça que nous avons vécu, qui a passé au Brésil ou bien qui a passé à Trinidad. L'idée était pour nous mobiliser plus d'argent, pour nous gagner plus d'unité et puis pour que nous gagnions cohésion entre pouvoir central et pouvoir local là, pour permettre que le carnaval là nous capable de vendre comme un produit touristique qui peut attirer les gens et qui est capable de mobiliser le plus de monde possible en Jacques Mel. Toujours dans le sujet, sa députée circonscription Jacques Mellin, qu'est-elle Jean-Philippe bat bravo pour déroulement carnaval en Anissa. D'après l'ICI, en référence dans le pays à sous plan international. D'après élu Jacques Mellin, travail pour continuer vendre Kilti à Claude Pesse. Potentialité, pardon, ville ça, c'est objectif tout le monde dans Jacques Mel, avec département sud-est, l'an doit viser, d'après député Jean-Philippe. N'a pas invité nous suivre, yon bout dans déclaration, dans micro Esaïe Aurelius avec Wilson Idoré. Chaque fois que nous faisons carnaval, c'est un beau spectacle culturel, nous avons une mascarade qui mariée avec bon habillé, groupe sonore, nous faisons 26 NFL. Et à mesure que nous avons fait, nous avons amélioré la plus efficace. Donc aujourd'hui, nous faisons un bel carnaval. En dépit de toutes les difficultés que nous avons, même quand nous avons une journée qui réussit. Moi, je me suis toujours dit, là, artisanat, comme si nous avons 20 nous, comme si nous avons 100 nous liés, c'est lui-même pour faire promotion, pour nous vendre Jacmel, pour nous vendre Haïti. Et je me suis toujours dit, sport avec culture, avec l'art, c'est le meilleur moyen pour nous vendre pays à l'étranger. Le meilleur moyen pour nous vendre pays par rapport à l'autre nation, pour nous montrer qu'il y a une imagination, artisans ont une capacité extraordinaire pour vos produits. Au cas où un vrai dans ce passé là aujourd'hui, c'est des bagages extraordinaires. Moment arrivé, amis téléspectateurs, pour une jambée frontière, mais bien avant, nous prenons pause, nous tournons. Merci parce que nous avons toujours été branchés. Je vous ai dit l'avant-pause, là, nous prenons l'actualité en sous-plan international pour nous faire connaître. Pape François recevoir dans le Vatican, président Turclan, Recep Tayyip Erdogan, lundi 5 février 2018. Là. En compte sa fête, dans une période côté président Turclan, après une opération militaire contre milice kurdio dans nos pays Syrie depuis 20 janvier 2018. Dans l'alentour château Saint-Angelan, qui est situé à quelques mètres Vatican, militants kurdes manifestaient contre l'opération Sahara lundi 5 février. Dans le cadre de rencontre Sahara, Pape François remet au président Turclan une médaille qui symbolisait un monde qui basait sous la paix et justice. Président Recep Tayyip Erdogan, bon côté pâle, poté pour Pape là, un grand panoramique et céramique Istanbul. Président Turclan qui a accompagné avec Madame Lid ou est visité Basilique Saint-Pierre, en vain quitté Vatican, qui est placé sous grosse surveillance. Lid ou est chita paletou avec président italien Sergio Mattarella, avec chef gouvernement Paolo Gentiloni. Toujours dans l'actualité, l'autre bord de l'eau, n'a fait qu'on est gentil dire dans Grand Titio, gagnant collision qui fait en deux trains, qui la cause deux mouns perdu la vie, et puis il y a une centaine d'autres blessés dans Caroline du Sud dans la nuit de samedi 3 pour l'ouvrir dimanche 4 février 2018, là. Train compagnie Amtrak Land a transporté plusieurs passagers entre New York et Miami. Là, elle a frappé à un train qui était vide dans l'area. On suit. Une collision train en Caroline du Sud pendant week-end nan, la cause deux moun perdu la vie et puis une centaine d'autres blessés. Gouverneur Caroline du Sud là, Henry McMaster, mettait en cause compagnie Amtrak. Choc ça qui fait dans une zone résidentielle dans banlieue Columbia, la cause yo perdu presque 20 000 litres de gaz. Accident train sa fête 4 jours après un train qui t'a transporté et le Congrès américain qui t'a frappé avec un camion. Yon moun nan camion t'a perdu la ville. Merci Betty. C'est là que nous mettons un bout dans le journal lan pour assouer à mes rappels points qui t'a développé là-dedans.
Président républicain Jovenel Moïse posé premier roche construction et en centre germoplasme à propagation végétale dans le département Nord samedi 3 février à Santa Cap gagne 4.5 millions de pieds bois chaque année. C'est cinquième structure consacrée qui mettait sous pied en dans pays. Chef l'État te rend li fo liberté samedi 3 février en côté li remet yon lot équipement pour démarrer caravane changement dans département Nord-Est. Équipement sa yo pral servi 13 communes pour faire travail curage, drainage et construction route. Yon centre coordination recherche et sauvetage inauguré jodi a nan Office National Aviation Civile OFNAC sous route aéroport. Centre sa permet yo localiser avion qui en détresse et appareil qui accidenté. Dans l'occasion 32e sortie lundi de la presse, ministère communication recevoir lundi 5 février 2018 l'an, secrétaire d'État sécurité publique l'an, Léon Ronsard Saint-Cyr, qui parlait sous disposition qui prend pour faciliter bon déroulement carnaval national. Ingénieur Ronald Semelfort mourit vendredi 2 février 2018 l'an en Port-au-Prince pour un pile moun. Collaborateur, hein, pour un pile d'un collaborateur, nous y a défaillance et en gros perte pour pays. Dans l'actualité, en l'autre bord de l'eau, il y a une collision qui fait en deux trains la cause de moun perdu la vie yo, et puis en centaine l'autre blessé dans Caroline du Sud dans la nuit samedi 3 pour l'ouvrir dimanche 4 février 2018. Là. Merci tout le monde qui t'a suivi. Premier sorti journal là pour semaine ça en présentation. C'était Liné là. N'a remercier toute équipe là qui t'est mobilisée pour te rendre possible. Et puis une fois encore, n'a souhaité nous toutes une très bonne semaine, mais surtout une très bonne soirée sous Télévision Nationale d'Haïti. Restez branchés.